rentrer et sortir par cet endroit-là, de manière à protéger toute la zone en fait, qui va être fragile, qui va être le platier qui est derrière, sur lequel il y a des jeunes pousses de corail, et donc il ne faut pas marcher dessus. Leur faire comprendre que le corail est un organisme vivant, qu'en l'écrasant, eh bien, on détruit des dizaines et des dizaines d'années de construction et d'animaux en un seul pas, et que c'est la base après de tout l'écosystème récifal, c'est-à-dire que c'est une ville. Ça sert d'habitat à d'autres, ça sert de nourriture à d'autres organismes. Si on casse un morceau, on déstabilise, et après c'est toutes les espèces qui risquent d'être impactées. Des zones, ce qu'on appelle des zones de quiétude, qui sont mises en défense par arrêté par la province sud. Cette interdiction, elle est symbolisée par ces poteaux et ces cornes, même si elles sont plus très droites, mais elles sont globalement respectées. Et d'année en année, sensibilisation des bénévoles du centre d'initiation à l'environnement, plus grande prise de conscience des gens, on respecte ces limites. Moi, je me rappelle l'époque où, quand les poteaux étaient posés, les gens allaient se mettre à l'ombre derrière les poteaux. Ça, on ne le voit plus trop.